Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler en fait de crème de nuit. Et plus précisément je vais vous donner une petite astuce ponctuellement de remplacer tout simplement votre crème de nuit par un masque hydratant. Alors pourquoi faire ça? Vous avez peut-être déjà remarqué que en ce moment votre crème de nuit ne vous suffit pas en fait au niveau hydratation de la peau. Donc ponctuellement vous allez en fait mettre de côté votre crème de nuit et la remplacer tout simplement par un masque hydratant. Alors pourquoi la remplacer par un masque hydratant? Parce que avec les baignades à répétition, là en ce moment il fait beau et puis le soleil, on peut avoir la peau très déshydratée, donc la crème de nuit ne suffit pas à avoir du confort. Donc je vous présente aujourd'hui le masque Hydrabio de Bioderma et le masque Caudalie hydratant. Alors pourquoi ces deux masques? Parce que en fait tout simplement ils ont la particularité de ne pas se rincer. Donc ça peut remplacer votre crème de nuit dans un moment, je dirais, vraiment ponctuel, c'est-à-dire juste la semaine où vous partez en vacances ou tout simplement tout le mois, dès que vous en ressentez le besoin. Donc ponctuellement, je récapitule, si jamais par exemple en ce moment votre peau tiraille et même le matin vous vous réveillez, votre peau n'est pas confortable, vous mettez votre crème de nuit de côté et vous allez appliquer un masque. Alors que ça soit le masque Hydrabio ou le masque Caudalie, vous allez l'appliquer après un gommage. Attention, le gommage on le fait une fois par semaine maximum en cette période, voire deux fois, mais pas plus d'une fois par semaine. Donc vous allez l'appliquer en fait les autres soirs après votre nettoyage de peau en couche épaisse, visage et le cou. Petite particularité pardon, pour Caudalie, c'est que vous allez pouvoir l'appliquer près des yeux. Et ensuite, avec l'excédent, s'il y a excédent, pour les peaux très déshydratées, souvent il n'y a pas d'excédent, vous allez retirer avec un petit coton. Et puis ensuite, bah, vous n'allez pas mettre votre crème de nuit, vous allez pouvoir aller vous coucher. Donc l'avantage, c'est vraiment que ça va ressourcer. Vous allez le faire en fait en cure une semaine ou tout le mois, suivant en fait le ressenti de votre peau. Ça sera à vous en fait de juger en fonction en fait du ressenti de la peau. Donc voilà, donc j'espère que je vous aurai fait découvrir surtout une autre manière de mettre un masque, qu'un masque peut éventuellement remplacer une crème de nuit ponctuellement dès que vous en ressentez tout simplement le besoin. Alors la différence quand même avec ces deux masques, je sais plus si je l'ai dit, c'est que celui-ci a une texture un petit peu plus fluide, plaît en général mieux aux peaux normales et mixtes, et celui-ci a une texture un petit peu plus crémeuse. Donc souvent les peaux sèches aiment mieux ce type de masque. Avec un petit plus quand même, ça pour Caudalie, je l'ai pas dit, c'est qu'il est également apaisant. Donc si vous avez vraiment une peau un petit peu irritée, le masque Caudalie sera plus adapté. Par contre, si vous avez une peau normale et que vous aimez les textures un petit peu plus fines, alors vous risquez par non de préférer le Hydrabio. Mais les deux masques sont de très bonne qualité et adaptés bien sûr aux peaux sensibles. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous voulez des conseils. Et moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et à bientôt sur beautélagoon.com.